Bonjour, bienvenue au débat des candidats de la circonscription d'Orléans. C'est un plaisir pour moi d'animer ce débat et au cours de la prochaine heure, ce que nous tenterons de faire, c'est je demanderai aux candidats d'établir le lien entre ce qu'on entend dans la plateforme que leur chef présente à travers le pays et le lien entre la plateforme et les besoins, les réalités d'Orléans. Donc, dans un premier temps, j'aimerais présenter les trois candidats qui ont accepté notre offre. Il s'agit de Royal Galipeau, le candidat du Parti libéral, pardon, conservateur. Nancy Tremblay, qui est candidate du Nouveau Parti démocratique. Et Andrew Leslie, candidat du Parti libéral. Et on a tiré au hasard avant de débuter, et c'est M. Galipeau du Parti conservateur. Qui sera le premier à prendre la parole. Vous avez, messieurs, dames, 90 secondes. Ce n'est pas beaucoup, mais pour nous vous présenter, pour nous dire un peu où vous voulez que la campagne se dirige pour vous et pour les citoyens d'Orléans. Monsieur Galipeau. Merci beaucoup, Ginette. Ici Royal Galipeau. Et je suis votre serviteur à la Chambre des communes. Ma famille est ancrée à Orléans depuis 6 générations. J'ai été échevin de l'ancienne ville de Gloucester, membre du comité de transport de l'ancien gouvernement régional, dirigeant du comité de mise en œuvre de la chaîne française TFO et adhérent du comité de l'étude environnementale du corridor est-ouest du train léger. Depuis mon adolescence, j'ai défendu les droits de notre minorité linguistique. J'ai deux fois été élu vice-président de la Chambre des communes. Depuis 3 ans, je suis l'interlocuteur fédéral sur le projet de train léger d'Ottawa et président du comité permanent des anciens combattants. Au cours des dernières années, Orléans a bénéficié d'importants investissements pour l'avenir de notre communauté. 1,8 milliard de dollars pour la construction du train léger sur rail. Près de 100 millions de dollars pour l'assainissement de la rivière des Outaouais, un enjeu moral pour l'environnement de notre région. Je suis également le père de la Journée nationale de l'arbre. Je protège la ceinture de verdure contre les empiétements. Mon carré de sable était sur la 10e ligne. Désormais, Orléans a une entité bien à elle et avec un accent aigu. C'est une loi du Parlement qui l'a statuée. Ses réalisations tiennent de mes racines et de mes convictions. Merci, M. Galipeau. C'est à votre tour, Mme Tremblay, du Parti néo-démocrate. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Nancy Tremblay. Et j'aimerais me présenter à vous, chers électeurs d'Orléans. J'ai 31 ans, diplômée en biologie à l'Université de Trent. Et depuis 10 ans, je suis fonctionnaire fédérale à Environnement Canada. Je suis scientifique environnementale qui spécialise en pollution. Je suis femme d'affaires. Et j'ai capitalisé ma passion pour le sport équestre dans une entreprise qui crée des emplois à Orléans et qui stimule l'économie locale. Je suis mère de famille. Mon mari et moi, nous avons une fille de 6 ans et un fils de 4 ans. Je porte beaucoup de chapeaux. Plusieurs d'entre vous comprenez la réalité. Mais c'est comme ça la vie aujourd'hui pour tout le monde. Et je suis maintenant politicienne pour changer ça. Salaire minimum de 15 $ par jour. Des garderies abordables, 15 $ par jour. Non, c'est 15 $ par heure. Et des garderies abordables, 15 $ par jour. Fixer l'âge de retraite à 65 ans. Protéger et améliorer les pensions. J'ai bâti ma vie ici à Orléans. Je vis ici sur ma ferme familiale. Je fais affaire ici et j'ai créé des emplois ici. Croyez-moi, je m'identifie avec le monde d'Orléans. Merci. Merci, Mme Tremblay. C'est à vous, M. Leslie, du Parti libéral. Vous avez 1 minute et demie. Merci, Jeannette. Bonsoir, bonjour à tous. J'étais un soldat pour 35 années. Ma famille est à point d'origine Montréal, mais comme un soldat, nous nous sommes déplacés un petit peu partout. J'ai une famille avec mon épouse Karen. J'ai 3 enfants qui travaillent eux-mêmes partout dans le Canada, 2 soldats parmi eux. Et je suis vraiment passionnant concernant les enjeux d'Orléans. Je suis un membre fier du Parti libéral et le grand enjeu pour nous, c'est nous avons la volonté pour investir dans le peuple du Canada et bien sûr d'investir, faire des investissements dans Orléans, dans les domaines de l'infrastructure lourde comme les trains légers, les réparations, les ponts, les rues, dans les services sociaux, traitement pour les aînés,
assurer que nos vétérans ont l'appui qu'ils besoin, des emplois pour la jeunesse et aussi dans les projets verts. Encore un 20 milliards dans la communauté, je m'excuse, en Canada, mais bien sûr, il y aura une grande partie de ces trois fonds qui seront dirigés vers Orléans. Je suis très fier d'être ici parmi vous. On a déjà fait environ 24 mois de travail dur. J'ai une équipe superbe et je suis bien ravi de vous représenter sur la colline. Je pense que c'est temps pour un changement. Merci, M. Leslie. Nous allons maintenant passer aux questions, si vous voulez bien. Les candidats n'avaient pas vu les questions avant le débat. Par contre, je leur ai remis une copie écrite des questions avant le débat pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Le but, ce n'est pas de jouer au chat et à la souris, mais c'est d'être informé de façon intelligente. Donc, je vais commencer avec vous, Mme Tremblay, la question sur la francophonie. En vertu de la loi sur les langues officielles, le gouvernement fédéral a comme responsabilité d'appuyer la vivacité des communautés francophones qui vivent en situation minoritaire, dont la communauté franco-ontarienne. Cette responsabilité s'étend à tous les domaines pour lesquels le fédéral est responsable. Notre question a deux volets. Le premier volet, comment vous assurez-vous que la voix des organismes francophones et des individus francophones d'Orléans soit entendue et que leur message soit porté à l'agenda du gouvernement? Et la deuxième partie porte sur l'immigration francophone. C'est un moyen de développement pour les communautés francophones de tout le Canada, bien sûr, et d'Orléans, entre autres. Pour pallier aux retards de ces communautés, les retards qu'elles ont connus en matière d'immigration, l'Ontario s'est fixé une cible de 5 % pour l'immigration francophone. Pour y arriver, la province a besoin de l'appui du fédéral. Que ferez-vous pour que le fédéral recrute et sélectionne des travailleurs d'expression française et bilingue qui s'établiront à l'extérieur du Québec, entre autres à Orléans? Alors, c'est deux grandes questions et vous prenez le temps dont vous avez besoin. On vous donne 2 minutes, mais vous pouvez les dépasser. Bon, bien, la première chose que nous, on ferait, ce serait de créer une comité de travail avec les groupes francophones dans la circonscription afin d'identifier les priorités les plus importantes pour notre communauté. C'est très important de créer un consensus parce que ce n'est pas le parti politique qui va avoir la réponse. C'est la communauté qui va avoir la réponse. Moi, je m'engage à défendre ces points à l'intérieur du caucus. Et toi, avec toute ta... Je vais aussi créer des liens de travail très étroits avec tous les députés qui représentent une forte proportion de francophones. Pour la deuxième partie de la question, je vais travailler à l'intérieur du caucus tous les députés qui représentent les francophones afin de créer un lobby parlementaire qui va influencer le ministère de l'Immigration et le ministre. Merci. Merci beaucoup, Mme Tremblay. C'est à vous, M. Leslie, de répondre à la même question, une question à deux volets. Allez-y. Nous protégerons et assurerons l'épousement de toutes les communautés des langues officielles et en situation minoritaire. Bien sûr, non seulement le maintien, mais aussi l'amélioration des services en français à la communauté francophone ici à Orléans. On a l'hôpital Montfort. C'est une facilité incroyable, mais on doit assurer que ça peut continuer à se développer. Et les liens avec la Défense nationale, bon, franchement, j'ai un tout petit peu peur. Si le département de défense nationale se déplace à Canada, peut-être ce lien va être brisé et je vais travailler à RHP pour assurer que ça ne se passe pas. Comme on sait, l'Université d'Ottawa, moi je suis un diplôme de là, est maintenant désignée en vertu de la loi sur les services en français. Ça, c'est une étape super, mais on doit travailler plus fort. Le Parti libéral est prêt à faire des grands investissements à Radio-Canada, environ 150 millions par année additionnels. Et puis aussi le Conseil du Canada pour les arts. Ça a des implications directes ici en Orléans, bien sûr, chez Shankman, mais dans des autres endroits. Et puis aussi 25 millions additionnels pour Telefilm Canada et les mêmes activités. Alors, je suis vraiment fier. Oh, et c'est aussi le 40e anniversaire de le drapeau de franco-ontarien qui était ici à Sudbury. Alors, félicitations à tous et tous, à toutes et tous, et je serai bien fier de travailler très fort, de m'assurer que je vais
battre pour les droits linguistiques et la culture franco-ontarienne. Merci. Merci, M. Leslie. C'est à vous, M. Galipeau. Merci beaucoup, Ginette. La défense des droits des francophones à cette situation minoritaire, ce n'est pas un exercice intellectuel pour moi. J'y tiens à cœur et je le fais depuis mon adolescence. J'ai travaillé à la mise sur pied de TFO, comme beaucoup de gens le savent. Je suis intervenu afin que le poste de radio communautaire Unique FM se mette sur pied. J'étais là à la première levée de terre du MIFO et j'ai établi et j'ai aidé à établir la formule qui a eu un investissement fédéral très important pour mettre sur pied le MIFO. Maintenant, nous avons fait plus que ça. Nous l'avons fait ici, localement. D'ailleurs, on a même investi 200 millions de dollars à l'hôpital Montfort. On a aussi fait un investissement historique de 1,1 milliard de dollars sur notre feuille de route pour les francophones en situation minoritaire. C'est 40 % de plus que ce que le gouvernement précédent faisait. C'est exactement 266 millions de dollars de plus que ce que les libéraux investissaient là-dedans. Alors, et puis, maintenant, pour ce qui s'agit de l'immigration francophone, ça aussi, c'est important. C'est important aussi pour nous aider à renflouer la francophonie en situation minoritaire. Et puis, nous avons reçu, dans le dernier exercice, 13 750 immigrants francophones. Et c'est en tout cas beaucoup mieux que les 9 225 qui étaient venus au Canada entre 2001 et 2005. Alors, en 2013, le nombre de francophones venus au Canada, se prévalant du programme, correspondait à moins d'un pour cent du nombre total de travailleurs étrangers au Canada. Nous espérons augmenter ça jusqu'à 4 %. Alors, la question était justement comment on peut augmenter, comment le gouvernement, comment vous vous proposeriez de recommander à votre caucus et au gouvernement comment on peut augmenter le nombre de francophones. Et vous pouvez répondre à cette partie-là de la question ou vous pouvez ajouter comme vous voulez à cette question. Vous avez une minute chacun. Nancy. Bon, ben moi, je viens d'une parenté francophone. Mes parents, ils viennent de Chicoutimi. On est de la région du Saguenay. Et ça, c'est une région où il n'y a pas d'anglais. Tout est en français. Alors, moi, je comprends qu'est-ce que c'est être une personne qui parle juste une langue. Quand mes matantes, ils viennent de nous visiter, ils ne comprennent pas l'anglais. Mais c'est super le fun parce qu'ils viennent à Orléans et ils sont capables de se promener, ils sont capables d'aller chercher du gaz parce que c'est une communauté où on peut parler les deux. Et je suis très fière de ça. Alors, moi, je veux renforcer ça, je veux garder ça, puis je veux que ça soit meilleur que ça l'est. Merci, Mme Tremblay. Monsieur Leslie? Alors, c'est concernant le nombre de 5 % de l'augmentation? Bien, c'est que l'Ontario s'est fixé une cible de 5 % de l'immigration en Ontario. 5 % devrait être provenir de pays francophones ou être des francophones ou bilingues. Maintenant, il faudrait que le fédéral emboîte le pas pour que ça puisse arriver. Je veux savoir comment vous pensez que ça peut se faire. Oui, madame. Alors, on va travailler très fort avec les autres députés, non seulement pas eux qui ont des populations francophones minoritaires ou majoritaires, pour assurer qu'on peut augmenter les nombres, parce que c'est critique. Nous sommes en danger peut-être de perdre nos valeurs francophones ontariennes si on ne fait pas du travail très fort pour assurer que ces nombres grimpent et rapidement. Alors, le gouvernement fédéral peut discuter avec le ministre des Immigrants pour assurer que les normes sont établies pour augmenter ceux et celles qui viennent point d'origine des pays qui sont francophones, pour les encourager de venir chez nous, ici en Orléans. Merci. Monsieur Galipeau. Nous avons fait des consultations publiques d'un bout à l'autre du Canada, y compris à Orléans. Et puis... c'est à cause de ces consultations-là que nous avons constaté qu'il y avait un besoin flagrant d'aide du gouvernement fédéral pour
la feuille de route. C'est pour ça qu'on a augmenté la feuille de route de 40 % de ce que le gouvernement précédent faisait. Et c'est pour ça que nous sommes branchés aussi à l'immigration francophone dans les communautés en situation minoritaire. Ici, en Ontario, l'objectif de 5 % c'est un objectif provincial et nous nous sommes engagés d'aider. À mon avis, on ne peut pas forcer les gens à déménager à un endroit ou à un autre. Le gouvernement du Québec est très actif dans la promotion de l'immigration francophone au Québec. Ici, en Ontario, il faut le faire aussi. Probablement qu'à Orléans, ce serait plus avantageux parce que les services existent déjà. Un des deux voisins de chaque maison à Orléans, c'est un francophone. Alors, c'est ça qu'on fait et c'est pour ça qu'on a réussi à augmenter le nombre d'immigrants francophones en Ontario et en situation minoritaire jusqu'à 13 750, alors que ce n'était... Est-ce que c'est en Ontario, ce monsieur Galipeau, 13 000, c'est à travers le Canada? C'est un bout à l'autre du Canada en situation minoritaire. Mais okay. On compare ça à un chiffre qui avait besoin d'être amélioré. Et c'était vous parlez d'un chiffre de 10 ans passés. Oui, je parle du chiffre sous l'administration libérale. Okay. Ils parlent bien, mais dans la réalité, eux autres, ils avaient réussi à attirer seulement 9 225 personnes en situation minoritaire. Okay. Et nous, on a fait 50 % de mieux que ça. Merci beaucoup, M. Galipeau. Est-ce qu'il y en a qui auraient quelque chose à ajouter sur cette question-là ou on peut passer aux enjeux sociaux? On passe aux enjeux sociaux. Dans votre circonscription, il existe bien sûr des enjeux sociaux, des enjeux économiques, environnementaux. Par exemple, la pauvreté, elle est croissante partout, même dans Orléans. Le fossé socio-économique se creuse entre les familles. Les besoins des Autochtones sont de plus en plus percutants. Il y a des obstacles à l'harmonie sociale avec l'immigration et l'incompréhension et toutes les discussions autour de la burqa et de tout le restant, des questions qui touchent aux personnes qui viennent se joindre à nous. Le transport actif est un problème, le logement abordable, l'alphabétisation, les infrastructures, on peut continuer longtemps. Quels sont, selon vous, les besoins les plus urgents dans votre circonscription en termes d'enjeux sociaux et comment votre parti entend-il répondre à ces besoins? Et la question est posée à M. Leslie. Ensuite, j'irai à vous, M. Galipeau et Nancy. Mme Tremblay. Merci, Jeannette. Alors, une des grandes idées du Parti libéral, c'est de faire un investissement assez grand dans le peuple du Canada. Alors, pour les services sociaux, on propose un investissement de 20 milliards qui commencera tout de suite. On ne va pas attendre 2, 3, 4, 5 années. On va commencer tout de suite dans les infrastructures sociales. Ici, à Orléans, on a ceux et celles qui ont perdu leurs emplois. Et ça, c'est tragique. On est ceux et celles qui ont besoin d'entraînement pour assurer qu'ils ont les techniques requises pour être plus compétitifs dans un marché assez difficile maintenant. On a les jeunes. On a que j'ai fait porte-à-porte, j'ai rencontré des centaines de jeunes qui n'ont pas d'emploi, mais ils viennent d'être diplômés de l'Université d'Ottawa, une éducation superbe. Alors, on a besoin d'appui, de ressources financières pour assurer qu'ils peuvent être entraînés. Et puis, on doit créer des positions d'emploi. On doit créer des opportunités pour la jeunesse. Et on propose d'investir presque 500 millions de dollars, commencer tout de suite pour assurer qu'on peut créer ces positions. Et bien sûr, une partie de ça va être dirigée vers Orléans. Et puis, on a les aînés. Ça fait... j'ai rencontré des dizaines, peut-être des centaines d'aînés, des veaux qui ont perdu leur mari. Et puis, c'est un niveau d'espération qui est intense. On doit les donner plus d'assistance. On doit leur extendre le bras, pour assurer qu'ils ont les ressources requises pour établir des conditions avec une certaine dignité. Et encore, cette fonds social de 20 milliards va nous donner beaucoup d'assistance dans ce point-là.
Merci, M. Leslie. M. Galipeau. Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Et puis, la pauvreté au Canada, elle est sévère, mais il faut aussi établir un contexte. Nous avons sorti 136 000 enfants de la pauvreté avec la prestation universelle pour la garde d'enfants, dont 41 000 avec la bonification cette année. Et selon un rapport de l'UNICEF, environ 180 000 enfants canadiens sont sortis de la pauvreté au Canada entre 2008 et 2011. Selon les dernières statistiques de Statistique Canada, publiées en 2011, le Canada dénombrait 8,8 % de sa population qui vivait sous le seuil de la pauvreté. Alors, ce n'est pas bon, mais c'est un record en tout temps. En 1996, sous l'administration précédente, c'était le double, c'était à 15,2 %. Nous investissons annuellement 2,3 milliards de dollars en logements abordables. Nous nous occupons des soins de santé et d'éducation pour tout le monde. Autrefois, en santé, le gouvernement fédéral était impliqué à 50 %. Entre 1965 et 1995, le gouvernement fédéral payait 50 % des frais de santé des provinces. En 1985, le gouvernement, tout d'un coup, a coupé ça à exactement 14 %. Depuis ce temps-là, nous avons doublé l'investissement fédéral en santé. Ce n'est pas encore assez, mais c'est beaucoup mieux que ce que nos prédécesseurs faisaient. Maintenant, la dernière chose. À mon bureau à Orléans, surtout pendant la saison estivale, quand les gens qui sont dans le besoin ont besoin de plus d'aide. Savez-vous qui répond au téléphone? C'est moi. Quand les gens téléphonent pour partager leur misère, c'est bien simple. Royal Galipeau est là et il répond, « Allô? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Merci, M. Galipeau. C'est à vous, Mme Tremblay. Vous avez 2 minutes. Merci. Notre plateforme est conçue pour adresser ces problèmes. Salaire minimum de 15 $, garderie abordable de 15 $ par jour, création de 40 000 emplois pour les jeunes, des investissements dans l'innovation. C'est national, bien sûr, mais Orléans va avoir sa part. Les investissements dans les infrastructures, rétablir les transferts socio-économiques de 6 % Je peux continuer. On adresse tout le monde, jeunes et retraités. C'est le NPD qui a amené la santé universelle au Canada. Et c'est le NPD qui va amener des garderies abordables. Ça, c'est quelque chose que quand tu y penses, pourquoi qu'on n'a pas ça déjà? Okay? Comme Canadien, on en regarde, on dit, OK, la santé, je peux aller à l'hôpital quand je suis malade. C'est parfait. Mais il nous manque quelque chose. Des garderies abordables, c'est la prochaine étape de quelque chose qui est magnifique. Et c'est le temps qu'on prenne avantage d'avoir une super de bonne idée et l'implémenter ici au Canada. Parce que ça va aider tellement de gens. Moi, en étant une jeune mère qui allait travailler, je calculais mon gaz, mon auto, comment ça allait me coûter 1 000 à 2 000 par mois pour avoir mes enfants en garderie. Et après ça, je fais combien d'argent quand je vais travailler? J'en fais quasiment pas. Alors, j'ai une bonne job. Imagine-toi ceux-là qui n'ont pas une super de bonne job. Alors, ça va aider du monde à retourner au travail. Au lieu de recevoir de l'argent du gouvernement, ils vont payer des taxes et ça va être super pour l'économie. Alors, les garderies abordables, c'est nécessaire. Merci, Mme Tremblay. C'est à vous, M. Leslie. Oui, bon, alors, on doit faire mieux, bien sûr. Et alors, le plan des libéraux, c'est d'investir ces 20 milliards avec, de lesquels j'ai déjà parlé. L'idée de garderie, excellent. Alors, pour nous, on va réduire l'impôt pour la classe moyenne. On va assurer qu'on peut diriger 6 400 $ après l'impôt dans les poches de chaque personne qui a des petits-enfants chez eux. L'idée d'une garderie de 15 $ par jour, la responsabilité pour assurer que les fonds requis sont établis reste maintenant avec le gouvernement fédéral et puis aussi avec les provinces. Et les provinces ne sont pas d'accord avec ça.
Et ça va commencer, ou non, ça va être implémenté dans une dizaine d'années. Nous, on parle de faire des investissements tout de suite. 20 milliards pour les services sociaux, pour l'infrastructure sociale. Et puis 20 milliards pour construire nos ponts, nos rues, nos trains et la liste continue. Et puis aussi 20 milliards pour assurer qu'on peut établir les requis pour un système vert, les technologies vertes, parce que nous sommes dans une récession. Alors, les théoristes économiques nous disent qu'on peut couper, 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 ou on peut faire des investissements dans le futur. Et le futur, c'est le peuple du Canada. Merci, M. Lézry. Vous avez chacun une minute, si vous voulez la prendre, pour ajouter à ce que vous avez déjà dit ou répliquer à ce qu'une personne a dit. M. Galipo? La protection des programmes sociaux est essentielle pour aider les gens les plus vulnérables. Et c'est pour ça qu'il faut que nous respections le cadre fiscal. C'est pour ça qu'une fois que la récession est terminée, il faut avoir un budget équilibré. Il faut avoir un budget équilibré pour ne pas être obligé de faire des coupures à l'avenir, comme un gouvernement précédent a été obligé de faire. Il y a des coupures qui ont été faites en 1995 dont nous ne sommes même pas sortis encore. Plusieurs de vos téléspectateurs connaissaient la crise de Montfort. La crise de Montfort est arrivée parce que le gouvernement fédéral avait coupé de 50 % à 14 % ses transferts à la province de l'Ontario, et puis la province de l'Ontario devrait ensuite rationaliser tous ses hôpitaux. C'était terrible, c'était une angoisse épouvantable. Nous avons, fort heureusement, grâce au courage de plusieurs franco-ontariens, dont Gisèle Lalonde, dont vos deux frères et plusieurs autres de cette communauté, réussi à sauver l'hôpital Montfort. Et le gouvernement que je représente y a investi 200 millions de dollars. Maintenant, cet hôpital est garanti. Et puis, il faut continuer de s'assurer que nos programmes sociaux sont encore garantis. Et puis, la seule façon de le faire, c'est de garder un équilibre fiscal. Merci, M. Galipo. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Mme Tremblay, à la question enjeux sociaux? Les enjeux sociaux, oui. C'est triste à voir que les jeunes, en ce jour, vont à l'école, se mettent en grosse dette et ils sortent et ont de la misère à se trouver des emplois. On souffre et on est mal organisé. On organise le monde pour mal faire. C'est important de regarder le problème puis dire c'est quoi, qu'est-ce qui se passe puis comment est-ce qu'on va faire une solution. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est, on regarde c'est qui qu'on a besoin d'aider, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas bien et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des changements positifs qui vont aider le monde, sortir de la pauvreté et faire quelque chose de bon avec leur vie. Merci, Mme Tremblay. Monsieur Lézry? C'est des idées excellentes, mais on a besoin d'énergie, on a besoin des ressources et on a besoin de soutien et appui. Alors, on doit faire des investissements aujourd'hui. Nous entrons dans une situation de récession. Alors, allons-y. Nous sommes prêts à assurer que Orléans reçoive plus d'argent, plus de fonds, plus d'appui pour protéger ceux et celles qui n'ont pas l'opportunité des moyens, pour assurer que nos aînés sont bien respectés et puis aussi ont les ressources requises pour leur qualité de vie, pour assurer que nos vétérans reçoivent le soutien et support avec lesquels ils ont besoin. Et le moment de faire cette décision, c'est maintenant. On ne veut pas attendre une dizaine d'années, nous. On va le faire tout de suite. Merci. Merci, M. Lézry. Je vais vous poser une autre question qui n'est pas sur la feuille que je vous ai remise et qui a rapport aux enjeux sociaux. Peut-être pas nécessairement seulement dans Orléans, mais c'est une question qui préoccupe beaucoup les Canadiens. Et c'est la question des femmes autochtones qui sont disparues ou qui ont été assassinées. Et c'est 1200 depuis plusieurs années et on connaît de plus en plus les réalités de cette situation. Comment vous vous positionneriez auprès du caucus de votre parti
lorsqu'il sera question de ces femmes. Est-ce que vous seriez en faveur d'une commission d'enquête? Comment vous voyez la question? Et je vais commencer avec vous, M. Galipeau. En société en général, il y a égalité entre les femmes, les femmes et les hommes. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans les réserves. Notre amie ici, Nancy Tremblay, est une autochtone. Elle vit dans la circonscription d'Orléans avec son conjoint dans une relation de couple égale à égale. Ce n'est pas ça qui se passe dans les réserves. Malheureusement, les femmes dans les réserves sont objectifiées et n'ont pas le droit de propriété. Et nous avons essayé de changer cet équilibre, ce déséquilibre, pour que les femmes aient un traitement égal. Nous avons essayé de le faire en essayant de leur accorder des droits de propriété. Ce n'est pas encore fait. C'est très difficile parce que les vieilles habitudes meurent mal. Et puis, malheureusement, on n'a pas eu l'appui qu'on aurait désiré à partir de la Chambre des communes. Alors, la solution, mais c'est un problème sociétal. Oui. La conséquence, elle est brutale, mais il faut aller à la cause. Et on essaye de régler la cause, et souvent, on le fait seul. Merci, M. Galipeau. C'est à vous, Mme Tremblay. Pour moi, c'est très simple. Notre parti est très clair. En dedans de 100 jours après qu'on a formé un gouvernement, nous allons sortir une enquête pour les femmes disparues ou assassinées, parce que c'est la bonne chose à faire. C'est important. Moi, je suis autochtone et non, je ne viens pas dans la région où ce que tout ça se passe, mais le monde qui perd leur enfant, le monde qui ont perdu leur fille, leur conjoint, qui ça peut être, eux autres, ils ont le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour avoir de la fermeture. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on manque en ce moment. Et c'est un problème réel. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas juste rester assis puis rien faire puis espérer que ça va bien se tourner à un point. Ce n'est pas ça la chose à faire. Il faut ouvrir une enquête en ce moment, commencer, trouver qu'est-ce qui se passe et faire des changements. Alors, oui, on va faire une enquête en dedans de 100 jours de former un gouvernement. Merci, Mme Tremblay. Monsieur Leslie. Très bien dit. Allons-y. On doit établir maintenant, aujourd'hui, un comité d'enquête sur les femmes autochtones qui ont disparu ou ont été tuées. C'est une crise. C'est une crise sociale, c'est une crise humaine. Et on doit établir un comité d'enquête maintenant. Et puis aussi, on doit faire des investissements dans nos cultures autochtones. Alors, avec cette idée-là, nous proposons de faire un investissement de 2,6 milliards pendant une période de 4 années pour l'éducation des autochtones et des jeunes autochtones, et puis aussi une somme additionnelle de 1 milliard pour des infrastructures sociales pour ceux et celles qui ont besoin parmi nos communautés autochtones. Mais le point principal ici, et la question était, est-ce qu'on doit établir une commission d'enquête? Oui, absolument. Est-ce qu'on veut répliquer, M. Galipeau? On sait que votre parti s'est opposé à une commission d'enquête. Le premier ministre dit que c'est une question de criminalité dont il faut traiter comme tout autre, et que la police fait son travail. Est-ce que... Alors, vous réagissez? Alors, il y a deux choses. Oui. Il y a d'abord... Il y a d'abord la poursuite des criminels, et c'est une chose que la police fait. Et puis, je ne pense pas qu'il n'y a aucune question que le gouvernement appuie les forces de sécurité publique dans ce dossier-là. Mais j'ai souligné aussi les causes sociétales, et puis, à mon avis, la cause sociétale la plus importante, c'est celle de l'égalité des femmes dans les sociétés autochtones vivant sur les réserves. Et
une des choses que nous essayons de faire, c'est de leur accorder le droit à la propriété. Je suppose que la plupart de vos téléspectateurs sont surpris d'entendre que les femmes n'ont pas le droit de propriété sur les réserves. Mais c'est ça le cas, et puis il faut changer ça. Mme Tremblay, vous avez une minute, si vous voulez ajouter ou répliquer. Bien, en tout cas, moi, je ne suis pas certaine de ça. Qu'est-ce que vous parlez de les femmes n'ont pas le droit? Mais oui, il faut mettre plus d'argent dans les communautés parce qu'en ce moment, c'est triste quand les Nations unies, ils nous envoient un message pour dire « Vous n'êtes pas en train de vous occuper de votre monde. Vous n'avez pas de l'eau de qualité que votre monde peut boire. Vous n'avez pas la nourriture pour s'occuper de votre monde. » C'est les Nations unies qui nous envoient un message comme ça pour dire « Canada, vous faites une mauvaise job. » Ça, c'est gênant. Et c'est le temps que on sort de ça. Ça, c'est vraiment gênant et c'est le temps qu'on devienne un Canada qu'on reconnaît. Merci, Mme Tremblay. Monsieur Leslie? On doit faire mieux avec nos communautés autochtones. Et il y a des fois que je ne suis pas trop fier d'être Canadien. Et dans ce cas-là, on doit travailler beaucoup plus fort pour assurer que ceux et celles qui sont impliqués reçoivent l'appui, le soutien qu'ils ont besoin. Merci. J'aurais voulu poser une question sur la commission de vérité et réconciliation, mais je vais laisser à vous d'en parler auprès de vos électeurs. C'est une question qui préoccupe beaucoup les gens, surtout les jeunes. Maintenant, parlons de l'efficacité du système parlementaire. Vous vous présentez chacun d'entre vous, chacune, pour un parti. Et bien sûr, votre parti a une plateforme, a des valeurs, a une orientation bien spécifique. Pour la première fois depuis de nombreuses années, on voit beaucoup de différences entre les différentes plateformes cette fois-ci. Je vous demande une fois élu, si vous êtes élu, est-ce que vous vous entendez-vous travailler sans partisanerie avec les élus des autres partis et aussi sans partisanerie auprès des différents paliers gouvernementaux? Je vous demande pourquoi vous me dites oui ou non. Et si vous me dites oui, j'aimerais savoir sur quel dossier spécifiquement vous aimeriez travailler de façon non partisane. Et la question s'adresse à Mme Tremblay. Si élue, je vais être députée qui va être représentant du NPD, mais je ne vais pas sacrifier mes valeurs et mes croyances pour jouer politicienne. Je ne vois pas pourquoi que deux partis ou trois partis ne peuvent pas travailler ensemble. Moi, une des affaires que j'aimerais amener, ça a rapport avec MS. Et je parle à du monde que c'est quelque chose qui est très important. Il y a des affaires que nous, au Canada, on n'a pas le droit de faire. C'est fait ailleurs par rapport à MS. MS, de quoi vous parlez? Multiple sclerosis. La sclérose en plaques? Oui. Et il y a des affaires là-dessus qu'on n'a pas le droit de faire au Canada et que le monde, ils doivent partir pour aller faire ça ailleurs. Et c'est quelque chose qui a été prouvé, qui a eu des bons résultats. Alors, moi, je veux travailler avec du monde de ma communauté qui m'ont amené ça et présenté ça pour faire des changements ici. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Monsieur Leslie? Je pense qu'il y a beaucoup de fois où les députés peuvent se rencontrer dans un milieu qui est non partisan. Et bien sûr, il y a des autres fois où la tension entre les philosophies différentes du NPD ou les conservateurs ou les libéraux, ça crée du stimulus, ça crée des bonnes idées, ça crée des différences avec lesquelles le peuple du Canada peut choisir leur parti ou leur équipe à laquelle il veut diriger leur vote. Mais pour quelques dossiers, je pense que il n'y a pas de place pour les affaires partisans. Pour, par exemple, les vétérans, pour les autochtones, pour les aînés, pour, vous voyez, pour ceux et celles qui ont besoin de notre appui, pour ceux et celles qui ont besoin de plus qui existe maintenant. Et aussi pour les arts, pour la culture, pour assurer qu'on peut protéger le Canada.
Elle est canadienne dans un sens culturel et historique. Et dans ces cas-là, je pense que, bien sûr, je serais bien ravi de travailler sur des comités ou des systèmes de coordination ou des équipes spéciales pour assurer qu'on peut réduire la férocité des activités partisanes d'aujourd'hui. Merci, M. Leslie. M. Galipeau. Du choc des idées jaillit la lumière. Oui. Mais j'apprécie grandement le ton de votre question, Ginette. Moi, j'ai appris à travailler pour les gens de façon non partisane alors que j'étais conseiller municipal. Quand quelqu'un venait me voir avec un problème, je lui demandais jamais quelle était sa couleur. Et j'ai amené ça sur le parquet de la Chambre des communes, tellement que, par deux fois, sur la recommandation du président de la Chambre des communes, qui à l'époque était libéral, par deux fois, j'ai été élu comme vice-président de la Chambre par les députés de toute la Chambre, de tous les coins. Depuis trois ans, je travaille comme président du comité des affaires des anciens combattants. Il y avait un gros fardeau à accomplir là, parce que nous avions adopté une charte au début de 2006 qui avait été développée par l'ancien gouvernement et qui avait des failles. Nous l'avons fait trop vite en 2006. Et puis, avec le comité que j'ai présidé, nous avons travaillé de façon non partisane afin d'aider à réparer des lacunes qu'il y avait. Et le résultat, c'est que les anciens combattants, aujourd'hui, reçoivent une bonification de 35 % de ce qu'ils recevaient en 2006. Alors, du travail non partisan, je connais ça parce que je ne fais pas seulement qu'en parler, je le pratique et je le pratique à tous les jours. Merci. Je vais aller à une autre question, plutôt que de vous donner à moins que vous vouliez prendre votre droit de réplique, j'aimerais aller à une autre question. Et c'est quelque chose qui préoccupe les gens ici dans la région, Orléans et les autres, étant la capitale nationale. Tout le rôle du Canada dans le monde, on a vu la crise des réfugiés, on a vu les relations avec la Chine, on a vu les guerres dans lesquelles on s'engage. J'aimerais savoir comment vous pensez représenter les idées de votre circonscription et votre expérience auprès du caucus de votre parti. Qu'est-ce que vous diriez sur le rôle du Canada dans le monde? Et je pense que c'est à vous, M. Leslie, à débuter. Merci, Ginette. Comme tu sais, j'ai porté avec fierté le drapeau canadien sur mon épaule pour 35 années, comme des dizaines de milliers d'autres. Alors, la réputation du Canada sur la scène internationale. Le Canada était déjà vu comme un leader international. Et puis, nous étions connus pour nos initiatives humanitaires, que nous avons une démocratie qui est ouverte et transparente, notre rôle de premier plan à titre d'intervenant à respecter en vue de la résolution des problèmes et des crises et des conflits internationaux, le quote « honest broker », et puis il y a eu des changements. Il y a beaucoup de changements qui se sont établis dans la période de M. Harper. Je pense qu'on a perdu notre place, en effet, auprès des Nations Unies sur la question de l'environnement et de plus encore. Et ceci, c'est tout, il y a des liens partout là qui se présentent notre réputation, notre façade envers l'outre-mer. Nous devons ramener notre politique étrangère vers le centre. Nous devons restaurer notre approche équilibrée qui était la marque du commerce du Canada. Et puis, nous devons adopter une nouvelle approche vis-à-vis des autres groupes d'intérêt à l'outre-mer. Et puis, on doit aussi établir une stratégie, par exemple, envers l'Irak, qui reconnaît les leçons apprises en Afghanistan. Et moi, j'ai fait la guerre là. Il y a trois grandes leçons, il y a une douzaine. Premièrement, la formation des forces locales pour combattre l'ennemi local. Ça, c'est l'objectif
l'objectif primordial. La deuxième fois, c'est d'aider les victimes grâce à une appui humanitaire et financière, et puis aussi assister à le processus de reconstruction. Alors, on doit se réétablir dans le centre. En bref. Merci, M. Leslie. C'est à vous, M. Galipeau. Merci beaucoup. Il est vrai que le Canada a perdu sa place sur la place mondiale. Il a perdu sa place avec les dictateurs du monde, les dictateurs qui sont représentés aux États-Unis, aux Nations Unies, et ils nous aiment pas. Il y a une raison pour ça. C'est parce que nous avons constamment protégé et fait la promotion de la liberté, de la démocratie, des droits de la personne et la règle de droit partout au monde. Nous menons le monde là où ça compte, pour se tenir debout pour l'Ukraine et pour protéger l'Israël, que plusieurs pays aimeraient enfouir dans la mer. Nous le faisons, ça dérange, mais c'est ça qu'il faut faire. Et à cause de notre nouvelle approche de principe qui guide notre politique étrangère, c'est sans surprise que le Canada se classe au premier rang, ayant la réputation la plus forte en 2015, selon la Reputation Institute. C'est aussi important d'avoir un équilibre dans ce que nous faisons sur le plan militaire et sur le plan humanitaire. Et c'est pour ça que le Premier ministre et son gouvernement, que j'appuie à la Chambre des communes, face à la crise actuelle, qui doit être menée à trois niveaux, l'affrontement militaire du soi-disant État islamique, l'aide humanitaire et le rétablissement des réfugiés. Et il faut le faire dans un contexte où c'est pratique et où ça ne met pas la vie en danger des Canadiens. Et pour ce qui s'agit des leçons qu'on a retirées de l'Afghanistan, j'espère qu'on a appris la leçon de ne pas envoyer les soldats canadiens dans le désert avec des uniformes verts. Madame Tremblay? Votre chef, Stephen Harper, il prend avantage de les choses qui se passent dans ce monde pour faire peur aux Canadiens, pour nous donner une idée qu'il y a un terroriste qui est caché derrière chaque arbre. Et l'autre jour, je me promenais et je cognais aux portes. Puis j'étais complètement surpris parce qu'à toutes les deux portes, à toutes les 50 % ou plus que ça, le monde, il me disait, OK, les affaires que moi, ils me concernent, c'est on va amener des réfugiés, puis ça va être des terroristes. Et ils pensent qu'il n'y a pas de système pour vérifier que ce n'est pas des terroristes, parce qu'il y a un système, ça existe déjà. Et c'est gênant, parce que le Canada est un pays de paix. On n'a pas de place à aller tirer des bombes dans un pays qui a une guerre civile. Et aller causer plus de problèmes. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas tuer du monde par accident et le monde, que les familles vont être choquées. Puis les jeunes garçons, après ça, ils vont sentir comme si qu'ils n'ont pas d'autre option, ils vont aller se joindre un groupe. On a besoin de revenir à la promotion de paix au Canada. On a fait tellement de coupures, les libéraux ont fait tellement de coupures dans le budget pour l'aide extérieure. On veut ramener le pourcentage du GDP à 0,7 %, parce que ça, c'est qu'est-ce qu'on est bon à faire comme Canadien. C'est là qu'on est fort, parce qu'on peut aider beaucoup de personnes, mais on n'a pas rien à faire à mettre des bombes sur le monde puis de causer plus de problèmes. Vous avez bien dit, le Parti libéral fait des coupures. Oui. Alors que M. Chrétien était là? Pas certaine si c'était Chrétien en particulier, mais je sais que le Parti libéral avait fait des coupures à l'aide qui était le plus bas dans les 30 dernières années avant ça. Merci. Non, pas du tout. Je ne voulais pas défendre personne. Je voulais savoir, je ne comprenais pas la question. Je ne comprenais pas ce que Mme Tremblay disait. Oui, c'est ça. Je pense que M. Leslie peut se défendre tout seul. Oui, oui, je pense. Et puis, on doit rebalancer le Canada et les Canadiennes pour assurer, bien sûr, qu'on peut établir des conditions pour être sûr que les Canadiens et Canadiennes ont la sécurité qu'il faut. Mais aussi, on doit assurer qu'on fait beaucoup plus mieux
pour donner assistance à ceux et celles qui sont outre-mer, qui ont besoin de notre assistance, besoin de notre expertise, besoin de nos soldats pour les encourager, pour les entraîner, pour assurer qu'ils ont les conditions sécuritaires eux-mêmes dans les missions des Nations Unies. Et puis, on doit nous rétablir avec les forces qui vont être dirigées par le Canada vers les missions de paix ou missions de maintenir de paix des Nations Unies. Il y avait une fois où nous étions dans le premier groupe du mondial pour, en termes de notre contribution et puis le nombre de soldats ou de membres des forces aériennes et forces navales. Et maintenant, je pense que nous sommes 75e, en effet. On doit faire mieux. Okay. Merci, M. Leslie. Est-ce que vous vouliez répliquer, M. Galipo? J'aimerais bien ça. Allez-y. Le Canada... Une minute. Le Canada n'a jamais été un pays pacifiste. Le Canada est un pays pacifique, mais pas un pays pacifiste. Nous étions dans la Première Guerre mondiale avant les États-Unis, de plusieurs années. Nous étions dans la Seconde Guerre mondiale avant les États-Unis, de plusieurs années. Nous avons participé en Corée, nous avons participé en Afghanistan, avec des uniformes verts, mais nous étions là quand même. C'est vrai que les dictateurs du monde n'aiment pas la façon que nous pratiquons les affaires étrangères. Mais savez-vous, quand Haïti a dû subir l'événement du 12 janvier 2010, le Canada était là premier. Nous étions là pendant plusieurs mois pour aider ce pays parce que l'aide humanitaire était importante. On continue de le faire et on va continuer de le faire de façon pratique. Merci, M. Galipo. Mme Tremblay, est-ce que vous voulez répondre? Non. Ça suffit. Ça va? M. Leslie aussi? Oui, j'étais là à Haïti environ 36 heures après le grand tremblement de terre avec quelques mille des forces bien entraînées, des membres des forces canadiennes. Et je ne suis pas, je suis pas pacifiste, moi. J'étais un soldat pour 35 années. Mais on doit se rebalancer vers le centre. On doit assurer qu'il y a une balance parmi ceux et celles qui veulent faire du guerre et puis ceux et celles qui veulent donner des missions d'assistance avec les membres des forces des Nations Unies. Bien sûr, il y a des besoins différents, mais je pense que maintenant, nous sommes tous à la droite. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à votre message de clôture. Vous aurez chacun une minute et demie pour nous donner le message que vous voulez nous donner, avec lequel vous voulez qu'on quitte ce débat. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de vous présenter, ou vous pouvez nous dire quels sont les enjeux. Vous y allez comme vous voulez. Vous avez chacun une minute et demie. Et c'est comme... Et je vais demander de respecter le temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps qui reste. Monsieur Leslie, vous êtes le premier. Merci, Jeannette. On a des idées qui sont excitantes. On a des idées différentes pour faire des investissements dans le peuple canadien, bien sûr, dans ceux et celles qui habitent à Orléans. Nous sommes un pays incroyable, remarquable, mais on peut faire mieux. Et avec un gouvernement libéral, vous verrez un système, une équipe qui a beaucoup d'expérience, mais qui a des idées fraîches, qui a des idées qui sont excitantes, comme j'ai déjà dit, pour faire ces investissements. Je serais bien ravi d'être votre représentatif. Je suis humblé par l'appui que vous m'avez démontré. Je pense qu'ensemble, on va faire beaucoup plus mieux qu'aujourd'hui. Mais la chose la plus importante, je vous encourage de voter. C'est votre choix, bien sûr, mais s'il vous plaît, votez. Ça, c'est la chose la plus importante. Vraiment, c'est une crise de confiance dans le système démocratique si le grand nombre de personnes ne se présentent pas pour voter. Merci. Merci, M. Leslie. Mme Tremblay? Merci. J'aimerais bien remercier Rogers pour nous avoir invités ici aujourd'hui. Et je suis bien contente d'être ici. Moi, quand j'ai fini l'école, je me suis dit, où est-ce que j'aimerais vivre?
Il y avait plein d'options. Je pouvais aller n'importe où. J'avais pas d'attachement nulle part. Puis je me suis dit, je vais aller à Orléans. Parce que Orléans, c'est spécial. On est proche du centre-ville d'Ottawa. On a une super de belle communauté. Et on a une section rurale. Et moi, je suis super contente de vivre sur une ferme dans la circonscription d'Orléans. J'ai passé 10 ans là. J'ai créé une petite entreprise. Et cette entreprise-là, ça l'aide la communauté avec de l'emploi, avec, en stimulant l'économie locale. Je suis là dans la politique parce que je veux faire des changements. Quand les libéraux ils parlent de faire des changements, ils parlent de faire des changements dans les tapis puis les rideaux de les bureaux des ministres. Nous, on veut faire des vrais changements. La raison pourquoi qu'on a les conservateurs en ce moment, c'est parce qu'on était tellement écœurés des libéraux, leurs scandales, leurs coupures, et on a besoin de vrais changements. Le vrai changement, ce n'est pas avec le libéral, c'est avec nous. Votez pour moi parce que moi, je sais comment travailler fort. Je peux porter plusieurs chapeaux et je suis capable de faire une très belle job. Merci. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Monsieur Galipeau. Merci beaucoup, Ginette. Merci de ta courtoisie avec tous les candidats ce soir. Et merci aux téléspectateurs de votre patience avec nous. Cette élection est une question de leadership pour les grands enjeux, à Orléans comme dans tout le pays. Vous avez le choix. Nous pouvons continuer à gérer le changement que vous vous êtes donné en 2006, un changement qui a fait ses preuves à Orléans. Des impôts bas, un pays ayant à cœur la sécurité de ses citoyens, un budget équilibré et un climat propice aux affaires et à la création d'emplois. Vous avez le choix entre quelqu'un qui a préparé un cadre fiscal solide pour amener le train léger à Orléans, qui a investi dans l'assainissement de votre rivière des Outaouais et qui répond à son propre téléphone, qui vous aidera quand vous aurez besoin d'aide et qui appuie l'aide du Canada à ceux qui sont persécutés pour leur foi. Vous pouvez voter aussi pour un autre candidat qui n'a pas fait ses preuves, qui démolirait notre économie et qui croit qu'elle ne vaut pas la peine de combattre le soi-disant État islamique, qui fait subir les pires brutalités à ceux qui ne partagent pas leur point de vue extrémiste. À Orléans, votons pour le leadership qui a fait ses preuves et pour une économie propre. D'ailleurs, vous pouvez voter de 9 h du matin à 9 h du soir à tous les jours au 3013 boulevard Saint-Joseph à Élections Canada. Je vous demande de voter pour gérer le changement que vous vous êtes déjà donné. Je suis là, votre serviteur, Royal Galipeau. Merci, M. Galipeau. Merci à vous trois. Alors, je vous rappelle que nous avons entendu Royal Galipeau, qui est le représentant est candidat pour le Parti conservateur. Nancy Tremblay, candidate pour le Parti néo-démocrate. Et Andrew Leslie, candidat pour le Parti libéral. Et je vous rappelle, comme M. Galipeau l'a dit à la fin de son message, vous pouvez voter déjà un vote par anticipation jusqu'au 13 octobre au bureau de scrutin ou d'Élections Canada de votre région. Pour savoir plus sur comment voter, allez sur élections.canada/inscription. Il faut s'assurer d'être inscrit sur la liste électorale. Merci et au prochain débat. Merci, messieurs, dames.